we pull the boat to the door. Inside, a daughter explains her mother couldn't breathe. She needed oxygen to breathe. In a back bedroom, we find her mother dead. There are five children, and a neighbor insists they can't stay in the house in the heavy heat, and we agree to take them out in our boat. Dans les jours qui ont suivi Katrina, on est nombreux à avoir pleuré. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai pleuré parce que j'étais triste de ce que je voyais, parce que des gens perdaient la vie, parce que c'était le chaos partout. Je me sentais impuissant, je ne voyais pas quoi faire. Quand j'ai vu que les gens étaient traités comme des bêtes dans ma ville, ça aurait été dans n'importe quelle ville, ça m'aurait brisé le cœur. Mais là, c'était encore pire, parce que c'était dans ma ville, où ma famille était établie depuis des générations, et puis mes arrière-grands-parents. J'étais bouleversée de voir des êtres humains traités comme du bétail. Déjà quand j'étais petite, le surnom de la Nouvelle-Orléans pour moi, c'était pas The Big Easy. On disait déjà la ville oubliée de tous. Plus personne ne se soucie de nous. Well, I fully understand people wanting things to have happened yesterday. I mean, I understand the anxiety of people on the ground. I just can't imagine what it's like to be waving a sign that said, "Come and get me now." So there is frustration, but I want people to know there's a lot of help coming. I don't think anybody anticipated the breach of the levees. My grandmother is a diabetic. She's 76 years old. She out of her insulin. What's she gonna do? She don't know if she's gonna live or die. We all don't know what we're gonna do. So we just need some help and support. You have to worry about it.